Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ce tune-là, La Rille des Narcisses. Wow, wow, wow. Anyway, j'aimerais de vous introduire à ma sœur Zelma, Zelma Arsenault, mon mari Carl, Carl Proud, et puis moi-même, c'est Louise Arsenault. Ça fait qu'on va vous faire du traditionnel aujourd'hui. C'est pas mal tout ça qu'on va jouer. Et puis, c'est ça. Ça, là, on va vous jouer l'Island Boy. Et puis la rille de Saint-Anne. L'as-tu joué bien des fois, hein, Zelma? Ah, OK. Là, mon père Alire Galland, il y avait un frère qui s'appelait Amédus Galland, puis il reste à Moncton, à Dieppe. Et puis, une fois, mon père et ma mère, ils avaient été là, et puis mon oncle Amédus jouait le violon aussi pour des danses carrées. Et puis, il avait montré une waltz à mon père. Et puis, il savait pas qu'est-ce qu'était le nom. Ça fait qu'il a donné une cassette à mon père. Puis, en s'en venant de Dieppe, mon père l'a écouté dans son,
dans son vieux cœur. Et puis, c'est comme ça qu'il l'a appris, puis il n'a jamais su le nom. Ça fait que ça a tout tenté, la waltz du cœur. Ça fait qu'on va la jouer, la waltz du cœur. On pourrait jouer la Princess Reel. Princess Reel, puis la Ottawa Valley Reel. Denise, c'est Denise, la tourne à Denise, on l'appelle la princesse. Ils savent à qu'est-ce que je parle about. Thank you.
C'était pour Denise Casey. C'est ça. Là, ma mère, Marie, a joué l'accordéon. Et puis, elle s'avait appris un morceau sur l'accordéon. Et puis, c'était appelé « Ah, que l'hiver ». Et puis, ça fait que, je pense que, on a su qu'elle avait appris ça de Narcisse Gautreau, qui jouait la musique à bouche. Puis c'est comme ça que ma mère l'a appris, hein, Zelma? Oui, c'est ça. Ça, je la jouais tout le temps sur le violon avec elle quand elle jouait l'accordéon. On la manque beaucoup. Merci beaucoup. Là, comme il y en a beaucoup qui savent, ils savent que mon mari Carl, il ne parle pas français. Ça fait que j'ai essayé d'apprendre à parler français. Puis, ça fait que... Oui, c'est ça, Carl. Dis-nous ce que c'est que tu peux dire en français. Comment tu flippes? Puis quoi d'autre? Je t'aime beaucoup. Merci beaucoup. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important, l'amour. OK, bien là, Star, on va jouer la Heather on the Hill et puis la Draggers. La Draggers qui a été composée, bien sûr, que notre cher Eddie Arsenault. C'est lui qui a composé la Draggers.
une belle tune, sur la Draggers. Ouh, j'aime ça. OK, so, on va le ralentir ça un petit peu. Vous êtes au capot. C'est appelé Rosebud to Allenvale, ce qu'il y en a qui voulaient savoir. J'avais toute la misère avec ce nom-là de m'en souvenir. Mais là, bien ça, je l'ai écrit sur une page, ça fait que j'ai pas oublié. Lord McDonald's. You know that? Tu connais ça? Lord McDonald's. All right. Mon père allait, il jouait dans une band, c'était appelé les Country Strangers.
Hein, Zelma? Oh, je te dis, il a joué pour 25 ans. 25 ans avec cette band-là. Et puis, des fois, j'y allais. J'allais jouer le violon. Il ne jouait pas le violon dans cette band-là. Il jouait le piano. Oui, pour 25 ans. Ça fait que j'allais jouer le violon avec eux. Puis, c'était souvent, souvent qu'on jouait Faded Love. C'est tout un ami à jouer ça. Faded Love. Là, là, je pars des poils, cette. Faut que je prenne garde à ça. Si pas, je m'encrocherai. Oh, on manque beaucoup ça avec pas de monde dans l'audience. Ben, c'est OK. C'est pas la même chose. But je sais que vous êtes là. I hope vous enjoy. OK, Faded Love. Beaucoup. Merci, merci. Là, on va vous en jouer un autre. Et puis, je pense que c'est le temps de finir cela. Puis, j'aimerais de dire un gros merci à Jeannette Black et à pour nous avoir demandé pour jouer. Et puis, je pense qu'elle est sur le comité de francophones d'âge d'or. Ça fait qu'on est tout le temps, on est tout le temps content de venir jouer pour des événements comme ça. Ça fait que au nom de nous trois, Zelma Arsenault, Carl Proud, et puis moi-même, Louise Arsenault, merci beaucoup. Merci. Là, la mammoteuse puis la twin sister.